le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo tuto test, voilà. Dans mon hall, dans mon dernier hall plus exactement de chez Action, je vous ai montré ces nouveautés-là. Je vous ai dit que j'ai adoré le papier, je trouvais qu'il était trop beau. Donc, c'est du glitter et du foil, voilà. Et donc, vous avez 6 feuilles glitter et 3 feuilles foil à chaque fois. Voilà. Voilà. Hop, voilà. Et je vous avais dit que j'adorais celui-là. Et hop, je vais y arriver. Parce qu'il y a les blanches. Et ces blanches-là, je les trouve juste trop belles. Et que, bon, les autres aussi me plaisent bien, mais j'adore les blanches. Et s'ils se coupent bien, je les aurais bien repris encore, voilà, en double. Donc du coup, je voulais tester et en plus, il y a une copinette qui m'a demandé si j'avais testé parce que elle hésite à l'acheter et que elle a eu des retours dans les deux sens en fait, voilà. Dans un côté, c'est apparemment, quelqu'un qui a dit que ça ne coupait pas bien et d'autres que ça coupe bien. Enfin, voilà. Du oui et du non. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo rapide pour voir. Alors, je vais utiliser ce die-là. Alors, pourquoi ce die-là? Parce que, voilà, je... Hop, j'ai fait mes... Ah oui, non, parce que vous ne l'avez pas encore vu, je crois... Ah non, 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 je peux pas vous montrer, c'est pas ça que je vais vous montrer, puisque ça, c'est la vidéo de dimanche, enfin, c'est pas la vidéo là. Donc, je vais vous montrer sur ça, voilà, j'avais fait un, comment dire, une rosace, voilà, et j'ai utilisé donc du papier que j'ai glitter, voilà. Et voilà, j'en étais pas contente du tout. Voilà, alors là, vous n'allez pas voir, mais en fait, ce papier-là, voilà, c'est comme si il y avait deux couches de papier. Une couche de papier blanc et une couche de papier de glitter, en fait, par-dessus. Et ce qui fait que souvent, quand on découpe, en fait, avec les dies, eh bien, le blanc, ça se coupe très bien, mais le côté glitter, comme c'est plastifié, eh ben, ça ne se coupe pas forcément bien, à moins que ce soit de la très bonne qualité de papier. Voilà. Et du coup, quand j'ai vu ces papiers-là, je me suis dit que j'espère, voilà, que ça ne va pas faire pareil. J'espère que la qualité, elle est un peu meilleure. Voilà. Donc, du coup, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, donc, déjà, pour voir s'il se coupe bien. Parce que j'ai galéré, hein. Voilà. Donc, hop, j'ai déjà coupé un. Voilà. Et pour une rosace, il en faut deux. Mais je ne vous dis pas le premier. Je vais le faire avec vous, en fait. Et comme ça, vous allez voir. Voilà. Il y a deux, trois petits morceaux qui sont restés dedans. Je ne vais pas faire 50 découpes. Hein. C'est vraiment pour tester. Hein, pour que vous voyez. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que comme je sais que des fois, ça a du mal à passer, j'ai tout de suite fait un aller-retour. Enfin, deux allers-retours. Voilà. Je n'ai pas fait en une fois, j'ai fait en deux fois. Alors, hop, là, comme ça. Voilà. Hop, où il est l'autre? Il est là. Donc, voilà, je mets. Et donc, attention, ça va bouger un petit peu, sûrement. Alors, je fais deux allers-retours. Parce que ce papier-là, de toutes les façons, ça, enfin, c'est très rare hein, qu'on fasse qu'un tour ou un aller-retour. La plupart du temps, enfin, en tout cas, le papier de chez Action, voilà. Moi, la plupart du temps que, comment dire, que je fais une créa avec, je suis obligée, quand il y a des petits détails,
je suis obligée de passer plusieurs fois. Donc, je le dis d'avance. Sachant que là, j'ai mis un petit truc en dessous pour épaissir un peu. Hein. Donc, il y a déjà... Après, peut-être que si je faisais avec Mademoiselle Toga, vu qu'on peut régler... bon, ça se couperait peut-être mieux, mais bon. Moi, je parle de... Enfin, je me dis que beaucoup de gens ont celle d'action. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc là, vous voyez, ça s'enlève. Voilà, ça se défait. La seule chose qu'il y a, vous voyez, là. Mais ça s'enlève très bien. Hein. Mais c'est ce que je vous dis, c'est que comme c'est une couche qui fait un peu plastifié, eh ben voilà, on entend le bruit d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu. Mais je ne sais pas si vous voyez, ça s'est presque tout enlevé malgré tout. Là, hop, je ne sais pas si je vais réussir à enlever comme ça, mais souvent... Ça marche pas fort. Vous voyez, ça marche pas du tout avec ça parce que c'est plastifié. Voilà. Mais si ça fait comme l'autre, voilà, ça s'enlève tout comme ça avec le pic. Ça s'enlève très bien. Voilà. Très, très bien. Et puis là, ça veut pas. Si, ça veut, mais... voilà. C'est derrière. Voilà. J'ai nettoyé mes ciseaux et j'avais un autre truc à utiliser, à nettoyer qui avait de la colle aussi. Et je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai beaucoup gratté avec mon doigt, enfin avec mon ongle. Et comme j'ai utilisé le produit, là, le Cura de chez Action, ben c'est là, j'ai l'impression que ça m'a cramé en dessous l'ongle. Dis donc, ça me pique. C'est tout sensible. Mais bon, mes ciseaux, ils sont propres à nouveau parce qu'il y en avait plein, je ne pouvais plus les utiliser. Et même les pointes des pics, là, il y avait de la colle parce que quand je fais mes petits, les fleurs, les choses comme ça, et ben, j'utilise beaucoup les pics pour coincer. Et enfin bref, vous vous demandez pourquoi c'est quoi, mais il faut regarder les tutos de mes petites fleurs et vous comprendrez. Voilà, c'est quand je mets la colle, des fois, pour pas que, quand c'est des toutes petites fleurs et que je dois mettre un tout petit peu, un tout petit plot, voilà, de colle au milieu de la petite fleur, eh bien, j'utilise ça pour maintenir la fleur en place. Voilà, vous voyez, tout est enlevé et ça fait propre. Hein, donc, ça a bien coupé. Voilà, c'est juste les petits trucs comme ça, là, parce que, je vous dis... C'est comme si c'est une couche un peu plastifiée qui est dessus. Ça fait un peu cet effet-là. Voilà. Mais après, voilà, tout est coupé. Après, plié, bah voilà, hein, ça s'est plié l'autre aussi. C'est plié très facilement. Voilà. Je ne vais pas faire la rosace avec vous parce que l'autre jour, j'en ai fait une déjà. Et puis, vous allez avoir une vidéo en plus. Donc, non. C'est juste pour... parce que j'avais galéré, justement, avec le papier glitter. Et que quand j'ai vu ces blocs-là, je me suis... Enfin, j'ai pensé à mes rosaces. Et comme j'avais envie d'en refaire encore, je me suis dit, peut-être que ça va le faire. Ça, parce que le glitter, il fait plus fin. Mais bon... Et donc, vous voyez, eh ben, écoutez, là c'est l'autre n'est forcément, c'est pas ensemble, mais ouais, ben, je peux pas le faire. Il faudrait que je colle. J'ai pas la colle chaude. Voilà, ça fait comme ça. Ce que je vais faire, si je vais brancher la colle chaude pendant que je vais couper donc les lettres. Donc, vous voyez que ça marche quand même. Maintenant, ben, je vais couper Joyeux Noël. Un die que j'ai... j'ai eu lors de mon partenariat avec New Craft Day, voilà. Et bah je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, hop. Voilà, je mets comme ça. Et donc à chaque fois, moi je vous dis, comme je sais ce que c'est qu'en papier, je fais deux allers-retours. Et deux. Je trouve qu'il est très beau ce die. J'adore l'écriture. La seule chose que je trouve un peu dommage, ils n'ont pas mis le tréma pour Noël. Donc ça fait un peu, enfin c'est un peu dommage quand même.
Alors, hop. Ah, zut. Donc, je mets ça pour mettre dessus, pour que vous voyez. Donc, vous voyez, ça c'est bien coupé, hein, voilà. Et je vous dis, moi, j'ai passé deux fois, mais peut-être que ça aurait suffi. Enfin, j'ai fait deux fois des allers-retours. Peut-être que si je faisais qu'un aller-retour, c'était suffisant. Et donc là, vous voyez, c'est tout coupé. La petite résistance qu'il y a à chaque fois, je vous dis, c'est du fait que ça a cet aspect un peu plastifié. Donc, il faut juste faire doucement, mais c'est coupé, hein. C'est comme c'est, vous voyez bien, c'est fin. L'écriture, elle est fine. Voilà, donc, hop, hop. Voilà, il faut enlever délicatement. Et voilà, hop, délicatement. Et j'ai cru que j'allais tout déchirer. J'espère que je ne suis pas trop. Et donc, voici déjà le Noël. Voilà. Et maintenant, vous voyez, on fait comme ça, là, et tout s'enlève, hein. C'est juste la matière qui... et puis comme c'est petit, l'écriture, elle est petite. Mais déjà, si ça coupe avec ce die-là, franchement, parce que vu que c'est déjà délicat, ben c'est que ça coupe bien. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Après, je vais tester sur du miroir, puisque là... j'ai fait sur le glitter. Oups. Voilà. Hop. Et voilà. Mais oh, j'ai mal à mes doigts. Voilà. Et donc, voyez, joyeux Noël. Voilà. Les découpes, elles sont vraiment belles. Voilà. Ça fait hop. Voyez. Regardez, ça fait beau. La seule chose, oui, c'est dommage, il n'y a pas le tréma pour le... Bizarre qu'ils aient pas prévu le tréma pour le... Ah, zut. Quoique, après, on peut prendre les petits points... c'est les petits points d'où d'ailleurs? Ben non, c'est pas les petits points de là. Enfin, là, comme j'ai les petits points de ça, là, je peux les utiliser. Mais voilà. Je peux utiliser ça. Voilà. Hop. Oh, y en a un qui est déjà retourné. Voilà. Ben, je vais les garder. Les petits ronds. Ah, zut. Voilà. Vous voyez, hop, du coup, ça fait le petit tréma pour Noël. Parce qu'il n'y est pas dans, dans le die, il n'y est pas. Mais voilà, pour ça, ça coupe très bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais tester l'autre papier, le miroir, puisque là, c'était le glitter. Et moi, je trouve que ça coupe bien. Enfin, je ne sais pas, apparemment, il y a des personnes qui n'ont pas été satisfaites. Voilà, je vais prendre ce bloc-là. Tiens, je vais faire avec celui-là. Et je vais prendre, hop, hop, hop. Oh, celui-là. Je vais faire avec celui-là. Voilà, avec celui-là. Cette fois-ci, j'ai aussi Joyeux Anniversaire. Quoique non, je vais faire avec le même die. Hein. Je vais faire, parce que j'allais faire Joyeux Anniversaire. Mais non, je fais avec ça pour voir si ça fait pareil ou pas. Parce que bon, et en même temps, alors, je vais faire les deux en même temps. Ah zut, là j'ai pas enlevé. J'ai pas enlevé parce que du coup il y a plein de petites choses qui sont restées coincées. Je vais peut-être essayer. Cette fois-ci, je vais juste passer faire un aller-retour. Je ne vais pas refaire plusieurs fois. Parce que là, du coup, vous voyez les petits points, ils sont restés coincés dans le die. Mais bon, je pense que c'est parce que comme j'ai passé plusieurs fois, donc forcément, ça a bien appuyé. Enfin, je pense. On va voir. Hop, j'enlève quand même parce que je ne sais pas si ça va me gêner après. Donc, voilà. Bon, je voulais faire une petite vidéo rapide. Et là, je me donne du travail.
Voilà, j'espère que vous voyez ce que je fais parce que je suis debout et du coup, des fois, mes mains, elles sont hautes et des fois, on voit pas bien. J'espère que c'est pas le cas. Allez, hop, on essaye. Allez. Et donc là, je vais d'abord faire un simple aller-retour. Et après, si ça n'a pas bien coupé, ben je remettrai. Et donc là, c'est avec le papier miroir. Alors, déjà, est-ce que ça s'enlève là? Oh, ça, c'est... Ah, quelle bécasse! C'est quand j'ai... Là, j'ai bougé. Non, mais regardez. Bon, je vais recommencer. C'est... je l'ai vu, mais je me suis dit, oh, ça l'a peut-être pas fait. Mais si, ça avait fait. C'est pas grave, je recommence. Là, il est coupé, hein. Celui-là, il n'y a pas eu de souci. Il est bien coupé. Et donc, j'essaie juste, je repasse le joyeux Noël. Allez, hop, et je ne vais pas jusqu'au bout. Parce que comme j'avais dû aller jusqu'au bout pour ce die-là, du coup, ça, le die, il a bougé. Et comme il a bougé, forcément, alors. Là, et ben écoutez, pour moi, il n'y a pas de souci. Hop. Ah. La petite boucle, elle est coincée. Alors, est-ce que j'ai aussi là? J'ai de la place. J'enlève. Voilà. Donc, pour le joyeux Noël. Donc là, c'est Noël. Ça fait beau. J'aime bien cette couleur-là. Ça fait comme si c'était de l'argent. Mais je ne sais pas trop comment vous dire ça. De toute façon, si je vais les reprendre, les deux, sûr, je vais les reprendre. Parce que franchement, j'adore. On dirait un métal argenté. Regardez, trop beau. Franchement, nickel. Et là, celui-là, bah, regardez, j'ai même pas besoin d'enlever. Tous, c'est enlevé. Par contre, ils sont tous restés là. Mais ça, après, voilà, après, on va voir avec ça. Ou avec tout, mais en mettant la lingette, voilà. Mais en tout cas, c'est impeccable. Regardez, les trous. Ah, j'ai menti. Il y en a un qui ne s'est pas enlevé. Il a voulu me faire mentir. Voilà. Sinon, c'est impeccable. Et à plier, on va voir. Pour ma rosace. Hop. Voilà. Peut-être que ça a même trop coupé, vous voyez. Il se coupe même trop bien. Oh non, non, il est nickel. Regardez, ça fait vraiment... Et en plus, j'adore le rendu. On dirait presque du vrai métal. Alors là, avec la lumière, c'est peut-être un peu compliqué. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà. Mais vraiment, c'est super bien coupé. Ouais, ben non, en fait, de plus près, ça éblouit trop. En tout cas, ça fait super bien. Celui-là, eh ben, j'ai la colle chaude qui est là. Donc, je vais le coller, comme ça, vous allez voir. Hop. Hop, hop, hop. Voici. Déborder un petit peu, mais je vais essayer de pas y toucher. Du coup, je vais mettre de ce côté là. Hop. Oh, ça a trop mis. Faut pas en mettre trop. Voilà. Hop, je vais attendre que ça sèche. Enfin, que ça sèche, ça refroidisse. Voilà. Et il me faudrait juste un petit rond. J'ai pas un petit rond qui traîne à côté. Enfin, je veux un petit rond, mais en fait, je ne suis pas obligée que ce soit comme petit rond, mais bon. De toute façon, ça va être derrière, ça ne va pas se voir. C'est juste pour que vous voyez... Oh, c'est presque rond, presque. Mais bon, ouais, on va dire vite, hein, mais bon, ça va être derrière, donc ça ne se verra pas. Donc, du coup,
c'est parce que je voudrais que vous voyez vraiment ce que ça donne, si j'y arrive à le... Voilà. Ouh, ça c'est mon petit doigt, que ça chauffe. Ah, ah, oh là, ouh, la bêtise, Hélène, la bêtise. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. J'ai bougé, c'est de ma faute. C'est parce que c'était sur mon petit doigt et ça m'a brûlé quand même. Hein. Hop, voilà, de la colle chaude là. Parce qu'après, il y aura quelque chose qui viendra devant, hein. Ça va pas rester comme ça, mais... Bon, je ne veux pas refroidir. Je débranche tout de suite mon pistolet à colle parce que figurez-vous que, je ne sais plus, il y a 2-3 jours, j'avais utilisé le pistolet à colle et il avait chauffé presque toute la journée. Ah, bah alors... La colle, elle ne veut pas... d'habitude, elle refroidit vite, là, elle ne veut pas refroidir vite. Bah alors... Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, voilà. Vous voyez? Donc, hop. Les fils de colle qui restent là. Bon, c'est pas, elle n'est pas finie, mais c'est juste pour vous montrer. Vous voyez les petits trous, comment tout est bien coupé. Voilà. Voilà. Et même, il y a des endroits, c'est embossé à l'intérieur. Hop, et tout est bien, voilà, c'est tout bien fait. Donc, ben moi, non, moi je trouve que le papier, il est très bien. Donc, pas de... c'est clair que quand je retournerai chez Action, eh bien, je reprendrai, s'il y en a, je reprendrai sur ces deux-là. Ces deux-là, je vais les reprendre sur, parce que franchement... voilà, il se coupe très bien. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Voilà. J'espère que ce petit test, il vous a plu. Voilà. Moi, du coup, eh ben, ça me permet... comment dire ça? Ça me permet... enfin, ça me fait... oups, j'arrive même pas à dire... Maintenir le fait que je vais racheter. Voilà. Oh lolo, mon Dieu. Allez, sur ce, je vous dis à très vite. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Bisous, bisous.